allez bien ici, ça bien. C'était quoi ce bien? Bref, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Que vous êtes ready à retrouver. Très bien, je suis en pleine adolescence, j'ai mué. Je suis assise à la refaire, mais on va la garder, YouTube, on va la garder. J'espère que vous allez bien, que vous êtes ready pour retrouver évidemment les aventures de Micheline la Tiflin sur Baldur's Gate. On va continuer. Des intros qualitatives toujours. Toujours qualité ici, on essaye. Mais voilà le programme du jour. Retrouvez évidemment notre chère Micheline. On était rentré dans une nouvelle région la dernière fois. Une région des plus non accueillantes, bien sûr. Et de mémoire, on s'était arrêté juste avant de parler à Gail. Ça vient de me revenir. Putain, merde. Aïe, 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 aïe. Non, mais on a fait plein de rencontres. On a retrouvé Daemon. Oui, la dernière fois. Attendez, si. On a réparé Carlac. On a réparé Carlac. Elle peut maintenant faire des câlins. On lui a fait un câlin. Enfin, on a pu lui faire un câlin. Bichette. Elle est trop chou. Elle est trop chou. On l'aime trop. Voilà. Salut, Madman. Bonsoir, c'est celle qui arrive. Et bonjour à YouTube, bien sûr. Hein, Twitch, ils sont là. Ils sont toujours présents. On est parti. Ouais, ouais, ouais. Alors, bon. Oh là là. Oh oui, c'est vrai, parce qu'on avait rencontré Gandalf, du coup. On avait rencontré Gandalf. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire, Gandalf? Ça va, vous? Il faut qu'on aille parler à Alcine aussi, parce qu'on est arrivé dans la région maudite. Du coup, on va parler à Gandalf, on va parler à Alcine. Et après, c'est parti. Ah, bonjour. Ah, ah. Il a bouffé mes ressources? Mes frères? Je pas la fin du dernier. Ah mince. Il a vraiment mangé, genre là, il a tapé dans mes réserves, genre tranquille. Déjà, je l'invite dans mon camp. Mais c'est moi, mais pas les queues de bouffe. Bon, tu es qui? Tu veux quoi, Gail? Si tu en vas, mon jeu de retour, il est là, il est là. Putain, Gail, il a l'air vénère. Gail, mon boy. I've come to address a most pressing matter. I'll speak as plainly as I can. Forswearing. Ah oui, je vous montre le son. Bien vu. Decorate my speech. Merci, Fael. I'm here on behalf of Mistra. Ooh, Mistra, Mistra la Mistra. I bring you are hers. Celle qui était l'amante de Gail, là, qu'il pouvait pas se... La déesse, quoi. Il pouvait pas se contenter de pécho une déesse. Il a voulu piquer de la magie. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans cette merde. Il nous a expliqué la dernière fois, je crois. Vous avez été envoyé jusqu'ici en tant que messager d'une déesse. Je suis surprise qu'elle vous a envoyé suite à cette débâcle due à Gail. De quel message et de quelle tasse s'agit-il? Faites vite, alors, car cette histoire me concerne rien. Ah, vas-y, vas-y, envoie. Dis-nous. You know where you went wrong, Gail. No, we needn't dwell on that here. Oui, bah oui, oui, il est obligé. Il arrête pas de bouffer mon stock d'objets magiques, la merde. You're to be given a chance of redemption. La fameuse déesse avec qui... Ouais, bien sûr, bien sûr. Consider forgiveness. Ooh. She would consider what she considers to be forgiveness. Mistra is aware of the misadventures that have befallen you both. She knows of your strife with the absolute, that most insidious of evils. Magicien des Allemands en retard, ni en avance, il arrive parfaitement à l'heure. 20h50, évidemment. Ça, je retourne bosser, mais c'était trop tentant, ça marche, c'est le pis. Bon courage pour le taf, j'avoue, c'était un bon timing. si Mistra a conscience de ce qui se passe, j'avoue que je dirais pas non à une intervention divine, c'est vrai ça, putain! Peuvent pas se bouger un peu le fiac, les déesses, les dieux et tout, là, dans cet univers, là, plutôt que de laisser l'absolu foutre sa merde? Si même les dieux sont au courant, pourquoi devons-nous faire face à cette menace sans assistance? Vous ne connaîtriez pas un remède à tout hasard, un puissant sort gréant tous les parasites à une lieue à la ronde, par exemple? Je vois bien Micheline faire de l'humour comme ça. Hélas, la créature qui afflicte vous, ill-begotten magic that is. C'est vrai ça! Qu'est-ce qui branle les dieux et les déesses, là? Non, mais merde! Vous êtes un petit peu au boulot, non? Ah ah.
You must know that the absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens. Elle menace tout ce qui vit, y compris ce qui ne peut pas mourir. C'est un péril mortel pour les dieux aussi? Bah justement, qu'ils viennent se battre avec nous, c'est feignasse! C'est fou, ça. Oula. Aïe aïe aïe. Gail tout seul, comment ça? Alors elle se trompe, c'est moi qui détruirai l'absolu. Ça va les chevilles, Micheline? Eh oh, moi je suis Micheline la Tiflin, je vais détruire l'absolu. Non mais oh. Gail, comment ça Gail? On parle du même Gail là? Gail la chips? Gail utile sur 20? Gail le bouffeur d'objets magiques? Vous êtes sûr qu'on parle du même Gail? The old. Precisely. C'est vrai que c'est une bombe à retardement. Stop the clock, as it were, on the orb's rush to overpower you. Ah. Instead, ah bah oui. You will be able to unleash its lethal combustion at will. Interesting. This could be help or hindrance. Oh. We shall have to see. You must find the heart of the absolute, whatever that may be, and use yourself as the catalyst that will burn it from this world. Oh, il est en train de lui demander de se faire exploser. Dieu aussi utile qu'un certain magicien. Bah écoute, ah bah voilà, mais c'est monstrueux, vous lui demandez de se suicider. Rien de ce que vous direz pourra obliger Gail à faire ce que vous voulez. Vous dire qu'on serait à la fois débarrassé de l'absolu et de Gail d'un seul coup. Allez, je vous laisse voter, mais soyons pas trop méchants avec ce pauvre Gail. C'est monstrueux, en vrai, c'est horrible. C'est pas la façon de se faire pardonner, se faire sauter au sens propre. Boum, Gail, boum. C'est souvent quand il y a Anne, c'est toujours pour se dire bonjour, alors prendre la décision d'intervenir, faut avoir ça d'ici 2 ou 3 siècles, hein. Bah ouais, c'est vrai qu'on a tous le temps de mourir d'ici là. Non, non, ouais, rien de ce que vous direz pourra obliger Gail en vrai, ouais. No, indeed. But I think she trusts me too. Ok. Il va le faire? No pleasure, et ça le dérange pas? But such. Mais elle pouvait pas au moins venir lui dire elle-même, genre vraiment le. Yours must be the sacrifice that will undo the absolute. And for your sacrifice, you. Du coup, il a mis pause son minuteur d'explosion. Such is Mistress' promise. Hmm. With that, I've said my sorry piece. Je pense que c'est pas censuré. Ah, il a déjà un mistral. C'est ça qu'il a mis dans cette merde finalement. Wingardium. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Aïe aïe aïe. Ah, les 75 visionnages Looms quand même. Let's go. Toujours à l'heure Twitch, évidemment, évidemment. C'est Twitch, hein. It is done. Ok. Both charge and charm have been committed into your care. To you, I commit into care Gail himself. Ah oui, bah, je vais veiller sur Gail, hein. Je fais ça depuis le début du jeu, finalement. Well on this strangest of journeys. La route est encore longue, nous trouverons un autre moyen. Comptez pas sur moi, Gail, n'est pas sous ma responsabilité, je vous en donne ma parole. En vrai, le pauvre. Vraiment, Gail est devenu officiellement une bombe. Là, vraiment, sa déesse, elle lui a vraiment dit « Va te faire exploser sur mes ennemis, là. Défonce-les et tout va bien se passer. » Nous trouverons un autre moyen. Or some other fortune altogether. Like moons make swell and wane, the j'ai pas levé l'absolument et tout la prêtier la marque déjà. Merci pour être présent. Salut Rafou, comment va? Ouais ouais hein. Days. Bah ils influencent and pas grand chose là. Hein. A notion born in lonely hours. Come ebb, come flow, come. Je comprends rien à ce qu'il dit. Oui, Gandalf, on a piché. On a piché l'idée, super. Be a moon unto yourself. Even the waves of fate
can break upon the shores of Will. Farewell, my friend. Ah ouais, non mais carrément. Farewell, Elminster. I'm glad she chose you. Comment ça se fait que j'ai débloqué le succès? C'est pas la première fois que je fais ça. What the fuck? Bref, j'entends, va te faire exploser, je dois en penser quoi. Bah, c'est ce que Mistra veut que Gail fasse, hein. Ça va, Gail? Comment on supporte le fait qu'on doive aller faire exploser quelqu'un? Bizarre, ce succès. Those are hard to come by these days. J'ai toujours imaginé Elminster comme un personnage plus imposant, un vieillard qui raffole de fromage, pas exactement le magicien légendaire qu'on m'avait décrit. Il semble faire un piètre ami à débarquer ainsi pour exiger de vous le suicide. Vas-y, Micheline, elle dirait ça, je pense. It's not a demand he wanted to make of me. As mistress chosen, he had no choice but to deliver her message. Ah ouais, tu crois? However much it pained him to do so. Réveille. For Mistra to have sent him. Oh, je suis trop mad du réveille. The severity of her bidding could not be clearer. Or way more heavily on me. Time seems so infinite when you're young. A month is an age. A year is a lifetime. It is a strange feeling to realize how little of it one might have left. Vous envisagez réellement de vous plier à la demande d'Elminster? Of course. Ah, okay. The clearest solution to our problem. All I have to do is find the right place and time. Ah, ça lui va, lui, d'être une bombe à... Ah bah, y'a pas de problème, Gail, hein. Soit une bombe à retardement, écoute... Non, le pauvre... Wrongs will be righted, the absolute will be gone, and I along with it. Je comprends pas, Mistra pourrait pas détruire l'absolu elle-même ou Elminster? Alors c'est fini, vous comptez désormais vous lancer dans une mission de suicide. Il existe forcément un autre moyen. Et qu'en est-il de moi, suis-je en sécurité avec vous? Peu importe ce que vous devez faire, je serai là pour vous aider. Je vois à quoi il pense enfin avec Inimis. J'ai même pas lecture de pensée là en plus. C'est un 50-50 parfait. Putain, c'est compliqué hein. Même parfois il fait des énigmes plus compréhensibles. Moi bon, j'avoue que là c'était quand même assez clair. Hein. Veuillez s'il vous plaît, Gail, vous faire exploser pour votre déesse. Vous savez, celle que vous avez retournée là. Et après vous avez voulu sa magie et vous avez fait de la merde et maintenant vous êtes obligé de bouffer des objets magiques. Ouais, Mistral pourrait pas se bouger le cul là quand même. Comment ça elle a pas le libre arbitre? Ah ouais. Intervention has a tendency to make things worse, not better. As for Elminster, he saved the realms more times than legend can recount. To take on a god is no easy feat even for him. My orb is the best. Pas que mon amante me demande de crever. Hein. Ouais, ben, il a l'air de le vivre plutôt bien, Gail. Hein. Il est là en mode, c'est ok, c'est une moyenne de me faire pardonner. Enfin bon, c'est un peu extrême comme moyen de se faire pardonner. Bon, après, il a été volé de la magie quand même. Il a volé de la trame parce qu'il pouvait pas se contenter de ce qu'il avait. Cette espèce de couillon, n'est-il pas? Il était avide de pouvoir et d'ambition et ça lui a coûté cher. Et ouais, c'est peut-être une occasion pour lui de se pardonner, mais quand même, hein. Ouais. Alors c'est fini, vous comptez désormais vous lancer dans une mission suicide. Bah c'est le deuxième que vous aviez mis, donc je mets ça. Essentially, yes. I'm living on borrowed time, in more ways than one. Mais enfin. Perhaps this is how it must be. That remains ahead of us for now. The heart of the absolute must be discovered before okay, I can stop its beating. Et c'est le pour une fois qu'il peut être utile le pas. C'est vrai hein. Nous le trouvons. Alors, nous le trouverons, Gail, je vous le promets, ou vous ne vous ferez pas exploser, Gail, je vous en empêcherai. C'est trop, Gail, c'est trop, ça suffit de consommer des objets magiques, là. Hein. Après, voilà, ouais. Oh, mais attendez, le chat. Vous allez me faire des 50-50 à chaque fois là ? Ah, allez, on va dire je le trouverai. On le trouvera, Gail. On le trouvera. Et après, on verra si on trouve une solution sur la route, comme d'hab. Hein. Chacun sa merde. Done, find the heart of the absolute and stop its beating.
Merci d'être notre bombe à retardement, Gale. Ça va, Will? A shame my first brush with the famed Elminster couldn't be a tad more. Longtemps qu'on n'a pas se balader avec Will. Listen, I might invoke the Triad from time to time, appeal to Helm, but I'm no man of faith. Not like Rogue, c'est mal, c'est vrai, on ne répétera jamais assez. Hein. To consider his own death among countless others to be an appropriate exchange for his goddess's forgiveness. Ouais. To me, it all sounds like nonsense. Dixit, the le gars qui signe des pactes avec des diablesses. Non, mais il y en a pas un pour attraper l'autre dans ce groupe. Gale's got everything he needs to defeat the absolute already. Talent, nerve and powerful allies. Oh, mais quel homme. Eh, Will, c'est vraiment un héros. Il a vraiment le ouais, il a le truc du héros là. Alors, Alcine, il fallait qu'on lui parle parce que Alcine, je vous rappelle, il nous a suivi parce qu'il avait un truc à faire dans cette région. On est arrivé dans la région de la malédiction. Et donc, il faudrait qu'on lui parle un peu là. Voilà. Oh, quel bibi. Oh là là. Non, c'est ok. Maîtrise. Nous sommes au cœur de la malédiction des ombres là. Pouvez-vous m'en dire davantage sur la façon de la vaincre? Ça n'a pas été facile. Ouais, bah oui, on va lui demander ça surtout. Hein. This land is more than just soil and rock, root and leaf. Un être vivant prend en forme d'un jeune homme féerique dont les yeux ressemblent à être l'incarnation de la forêt. With the forest itself in his eyes. Oui. His name is Thaniel. Mais encore. I've met him in my meditations, but since the curse was unleashed, I have not felt his presence. He is its prisoner, I fear. And as long as he remains so, his domain will lie in darkness. Amen. But if we can find him, we can break the curse. If you learn anything of the Shadowfell, or of a boy with the forest in his eyes, ou d'un garçon dont les yeux vous font penser à la forêt. Ok. Il faut-il que je cherche au juste? I can't be exact, unfortunately. Time and the Shadow Curse won't have been kind to any traces that would have been left behind. Living witnesses, unlikely, I'll admit. Lui, waouh. Non, mais quel homme. On peut pas nier, hein. Or some lingering echo of what we seek. Don't worry. If you find something, you will know it. Eh bah super, hein. Cet endroit doit vous rappeler de bien mauvais souvenirs. J'espère au moins que vous vous sentez toujours bien parmi nous. It's not easy seeing the ravages of the Shadow Curse. But your camp is a most welcome solace. C'est cool. You shared your fire with me, your company. A small pocket of light against the darkness. But one I couldn't do without. Thank you. De rien, je pourrais peut-être partager davantage qu'un feu de camp et ma compagnie. Micheline la dragueuse, le retour! Elle est on fire, évidemment! Évitant de basculer dans le sentimentalisme excessif, j'ai besoin d'un guide pour suivre à cette malédiction. J'en suis heureuse, mais ne perdons pas les priorités de vue. Hein. Et vous êtes comme Micheline, bien sûr, sans aucune hésitation. Le fuego! Dans la drague extrême, c'est reparti! En même temps, t'es mal les bibi là! Comment leur dire non? Comment? Oh, here we go again! Oh no! Je pourrais peut-être partager davantage qu'un feu de camp et ma compagnie. I can think of a thing or two. Oh! But in truth, it is for the best that the curse consumes my thoughts for now. This is the best chance I've had in a century. Oh, une partie de jambon en l'air, Alcine. Ça a vraiment déconcentré. If I succeed, if I break the curse, then perhaps there will be time for myself again. And for others. Ah, il aura du temps pour moi. Let's go. Ok, c'est notre nouvelle mission number one. On va lever la malédiction pour pouvoir se taper Alcine. Oui. Pardon, j'ai des problèmes. Non, mais j'en suis consciente. C'est ça le plus important. C'est le premier pas vers la guérison. Il a pas dit non. Il a même dit carrément oui. Il a dit là, vous comprenez, je dois m'occuper de choses super importantes. Je serai pas totalement dévoué à notre rapprochement. Mais si vous réglez les problèmes de cette malédiction, je pourrai vous trouver tout le temps qu'il vous faudra. Oh oui, Alcine, pitié. Alors bon. Ça va, vous?
Bonsoir Darien. J'adore quand vous arrivez sur des timings comme ça, c'est tellement fabuleux. Rien de plus à draguer. Ouais, let's go. Bon, oh là là, regardez, c'est vrai que ma femme elle a une nouvelle armure là. Oh là là. Elle veut pas me parler là. Elle veut pas me parler. Elle veut pas me parler. Aïe 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 aïe. I can't believe Mistra actually expects Scale to just sacrifice himself like that. Un esprit aussi brillant que le sien. On parle toujours du même Gale. Kéterik Storms, que pensez-vous de lui? Ah oui, oui, c'est le gars dont elle nous a parlé. Oh là, fallait que je remette. Jaira. C'est vrai qu'on a parlé à Jaira déjà. J'avais peur, j'étais là en mode quoi? Hein? On connaît déjà? Oui, oui, c'est bon. Oui, oui, oui. Pour un mode harem, il y en a des modes où tu peux vraiment faire pécho tous les personnes. C'est un scandale, c'est un scandale. Une insulte censurée, super. Pas vraiment une insulte. C'était pas une insulte, mais tout va bien. Alors. Difficult to say. A fellow servant of the Night Singer would surely be an ally to me under most circumstances. But something doesn't add up. I'll need to see where his allegiances truly lie. Elle pourrait me raconter ce qu'elle veut, je peux l'écouter parler pendant des heures. Aïe, yeah. J'ai envie de parler de ce qui nous est arrivé. What's on your mind? Pensez-vous de moi? Quite splendidly, to give credit where it's due. You and I have shared some good times together. And it seems we have plenty in common. Considering all we've been through, I think I was very lucky to find such Pardon. And attractive company too, no less. I'm in love. I am in love. What did you want? Allez, concentrons-nous. Oh là là, les Bibi et... Oh, je veux les deux, hein. Je veux les trois, je veux les huit. Je les veux tous. Oui, ça existe, bien sûr, Fael, bien évidemment que ça existe. Hein. Oh bah, il y a des gens, ils sont la gourmandise, hein. Eh oh, il faut vivre toutes les expériences du jeu. J'ai mon petit... ça, c'est lui, c'est mon petit 4 heures, voyez-vous. Il est là pour la pause goûter, passer un bon petit moment... Lui, il est là plutôt à 18h, là, quand c'est l'heure de faire la petite séance de sport et de se soulever. Et elle, elle est là à 21h, quand on sort les bougies et l'ambiance. Je dors pas beaucoup, hein. Aïe, aïe, aïe. un peu de tenue, c'est vrai. Merde. Pardon. Savez-vous où vous êtes? Non, mais oh. Michel, vous avez l'intention de draguer tout le temps. C'est vrai, c'est les Michel, hein. Moi, je les suis, hein. C'est vous, hein. On a dormi? Oui, on a dormi. Alors, est-ce qu'on repart? Non, on n'a pas dormi du tout. On n'a pas du tout dormi. C'est l'heure de dormir. Ah! Playtime's over, pet. Elle est de retour! Mais elle aussi, hein. Oh, I love this time of year. The dickheads start popping up wherever you look. What do you want, Mizora? Ce qu'elle veut, elle. Drop the attitude and perk up your ears. You've got a new mission. Absolute's cult has gone and grabbed one of Zariel's assets. A devil. And a powerful one at that. Ils ont assez pour 23h30. The cult's fortress. Moonrise. C'est la petite visite nocturne. Oh non, mais il n'y en a pas un pour attraper l'autre, c'est terrible. Salut Lyrie, comment tu vas? C'est bien les heures sup et pas les jours d'enlève de notre Micheline préférée. Oh, incroyable. J'espère que ça s'est bien passé la journée en tout cas. Elle est enfermée autour de Haute-Lune, la forteresse du culte, il va falloir sortir de là. Attends, elle a dit quoi? Nanana, la secte de l'absolu s'est emparée d'un des atouts de Zariel, une diablesse et puissante en plus. Elle est enfermée dans... Ok. Ouais, ouais. Et en quoi ça nous concerne au juste? Clause Z, section 13. Should promised soul refuse obeyance or neglect duty, the pact holder shall cast the promised into Avernus as a lemur. I'll make it. Elle est si belle, Micheline. On l'oublie, mais elle est si belle. Will fails or refuses, and he turns to a thick blob of stink flesh and sinks to Avernus. Ah. Now, be a good boy and. Play fetch, pup. Be a good boy, elle lui a dit. Il n'y a aucun respect pour ce pauvre Will. Mizora's words may be flippant, but they are tinged with desperation. She cannot afford for Will to fail this mission.
This may be your best chance to negotiate Will out of his pact. Oh! Sympa tout ça, ouais ouais hein. Nous acceptons de secourir votre atout mais à une condition. Je verrai à ce que ce soit fait. On conditionne. Hein. On conditionne totalement. La perception nous a dit... que... ouais. Qu'elle était pas sûre en gros. Vas-y, vas-y, on conditionne. On va libérer Will! Your mind links with Will's, drawn in by his increasing passion. Puis lui, il est en mode, qu'est-ce que tu fous, Micheline? Qu'est-ce que... What are you branling, Micheline? Réponds mentalement à Will, faites-moi confiance, mettez un terme au pack de Will et partez chacun de votre côté tous les deux. Secouez la tête, très bien, vous allez faire ce que demande Nuisora. Non, 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 on va lui dire direct. Je vais même pas lui dire faites-moi confiance, je veux dire, let's go! Vous allez arrêter le pacte avec Will, c'est un gentil, Will, il mérite pas ça! And your connection fades. Interesting. Now, why should I go letting my favorite pet off his leash? Oh là 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 là! Alors, on pourrait laisser la secte infecter cet atout, j'imagine. Quelque chose me dit qu'il ferait un excellent esclave décérébré. Vous vous souvenez de ce que vous savez sur les contrats des diables? Rétorquer que si vous connaissez un charme capable de rompre tous les packs et proférer une série de phrases pseudo-infernales... Ouais, non, pas sûr. Hein. Laissez tomber, on va le libérer. Est-ce que Micheline est intimidante? Généralement, pas beaucoup. Oh, par contre, on a de l'histoire en maîtrise. Ouais, vas-y, on va essayer de savoir. Je suis assez d'accord avec vous. Condition MMA, zéro blabla, zéro trépas. J'adore. Ah non, j'ai cru que c'était une réussite critique. Mais c'est quand même un 20, c'est quand même un 20. Incroyable. Abidiabol et nunquam ready. À tes souhaits. J'ai vraiment dû dire ça. Allez, vas-y. Abid, diabol et nunquam ready. Je crois que c'était drôle. I've never seen such a fearless display of. Mais t'es vraiment une sale connard. Fine. I'll play your game. But I amend the pact once. Ah, putain, elle est d'accord, elle est d'accord. Not before. Clause F, section 9. Soulbinder shall bestow reward or favor only upon soulbearer's fulfillment. Elle est d'accord. Obligation. Théorie, c'était drôle. Écoute, je fais de l'humour. To moonrise, pet. And do mind the shadows. They've been. Oui, ben on l'a remarqué ça, merci hein. Hungry. Oh, Micheline, quelle femme. On n'en parle pas assez. Par contre, Mizora, c'est la collation de minuit. Hein. Astarion, tu veux de la compagnie cette nuit ou ça se passe comment? Will, il a... Bah, attends, mais tout le monde veut me parler, là! Non, attends. Il est où, Will? Will, il est là-bas, il doit vouloir me parler après ça, non? Non? Oui, j'allais dire, c'est quand même le premier... Putain, mais tout le monde me... Mais non, mais c'est quoi cette soirée, là? Qu'est-ce qui se passe? Oui, il a l'air en colère. Mazora set me on fiends inside and outside the hells. Bah, faut sauver, apparemment. Rescue. Gods. She makes a mockery of everything the blade stands for. D'ailleurs, j'ai une tatane pour les 35 j'avais pas vu, pardon. Such an asshole. Elle sera bientôt partie à compliquer cette mission et Mizora vous délivrera. Bah oui hein. Bah ouais ouais, de toute façon c'est pas comme si vous avez le choix, sinon vous pourriez en enfer. Ouais bah oui. Vas-y, accomplis ça et voilà. Hein. Ouais. I mean it, but eh moi au moins j'ai essayé les négociations, d'accord hein. Non mais oh. Can already feel her scheming. She won't let me go without a fuss. Trust me on this. C'est pas comme si vous aviez le choix, ouais. Not just rot. I'd have to fight. One of those mindless blobs clawing at demons on the front lines of the. Ah ouais, t'es sûr? Mais enfin, c'est quand même mieux que ça n'arrive pas, non? Ainsi, vous êtes voué à vous transformer en lémur quoi qu'il arrive. Yes, unless Mazora. Ah, c'est quand même ça. Ah ouais. Son avenir, lui, il est merdique. Hein. I always knew what my future held, and I know I chose right. Ok. Bah si tu le dis, bro. Hein. Alors, tout le monde veut me parler là. Ah. Mais range donc cette épée, Micheline. Après, c'est vrai que c'est une belle épée. On l'a fait à la forge, on a tous failli mourir pour. Carlac aussi. Non, mais tout le monde veut me parler, tout le monde.
I've been thinking about the runes Cazador carved into my back. C'est vrai. That fragment of a devil's contract, or whatever the hells it is. Ouais. I'm afraid that through those runes, somehow, Cazador might still be able to dominate me. Je peux y jeter un nouveau coup d'œil si vous voulez. Ou d'accord, que comptez-vous faire à ce sujet? A-t-il gravé des runes sur le corps de ses autres rejetons? Cazador, du coup, petit rappel évidemment, le maître qui a l'air d'être un gros FDP d'Astarion, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, évidemment. Que comptez-vous faire à ce sujet? Find an expert, of course. And I already have one in mind. Ah bon? Our devilish friend, Raphael. If anyone's going to know about infernal contracts, he will. C'est pas faux, mais en même temps, vous êtes fous quoi, le diable qui cherche à s'emparer de nos âmes? C'est pas faux. Faudra quelque chose en échange, êtes-vous sûr d'être prêt à payer le prix qu'il manquera pas de demander? Je vous demanderai juste de ne pas me mêler à ça. Si vous passez un contrat avec Raphaël, ce sera juste entre vous et lui. Hein. Ah putain! Après, je le comprends, c'est sûr qu'il veut en savoir plus aussi, quoi. Il y aura quelque chose en échange, êtes-vous sûr d'être prêt à payer le prix? Allez. Well, we won't know until we ask now. Pas fou. Will vous auriez demandé. Salut Métia, comment tu vas? Il n'y a pas de soucis, merci beaucoup de passer. His own schedule, so we'll just have to look out for any sulfurous odors. Ouais, j'avoue qu'il n'a pas, il a pas vraiment un lieu de rendez-vous, lui. Hein. Ok. Meanwhile, I think I'll spend some time studying the art of infernal negotiations. Ok. Bon. Écarlate? Putain, c'est fou. Micheline a trop de succès ce soir. Tout le monde veut lui parler. Hein. Ah putain, c'est... Hey, c'est mon araignée. J'ai eu... Waouh. Ça va, Carlac? On se met bien. God damn it. Why did it have to be Mizoriel? Elle est en colère. Ok, ok. Why did it have to be Zoriel? We're supposed to risk our necks to get one of her assets. What if it's a runaway like me? Or something far worse. Vous avez entendu Mizora, non? Si Will accomplit cette dernière tâche pour elle, il sera enfin libre. Après sacrifice de Will a fait pour vous, il est temps de lui rendre l'appareil. Si nous refusons Mizora, transformera Will en lémur. Vous ne voudrez quand même pas que ça arrive. Nous aviserons le moment venu. Bon, on va lui dire ça en vrai. Il sera encore enfin libre. I want to believe that as much as you do. Almost as much as Will does. But I just know there will be more to the story. There always is. It's a bad idea to play games with the devil. You'd never win. Not ever. Eh bah yes, hein. Oh, was that Gail's granddad? alors non, c'était lui. It doesn't ring a bell. But all right. Must have had something important to say to Gail if he came all this way. Good news, I hope. Elle est si innocente et si pure, j'ai pas envie de lui dire que elle veut que ouais. Pas vraiment, il s'avère que Gail a une bombe dans la poitrine et Mistra attend de lui qu'il se fasse exploser pour détruire le cœur de l'absolu. La pauvre. J'ai pas envie de détruire. Le monde est une Carlac. Tu es trop pur pour ce monde. Il est si violent. Arrête, bébou, arrête. Le monde est trop violent pour toi, Carlac. Non. Oh là là. Wow, now he's got a. Well, I guess that would explain a little. On va lui dire, Bichette. Elle va bien s'en rendre compte à un moment donné. I mean, this is a lot to take in. Oh, elle est trop pure pour cet univers. Ça va pas. Hein. Je l'adore, mais elle est incroyable. Hein. Je crois qu'il compte accéder à sa requête. Je doute qu'il aille jusqu'au sacrifice, même si Mistral exige. Bah, de ce qu'il nous a dit pour l'instant, Micheline, elle se dit que oui. Qui nous a quand même dit ouais ouais on fera ça, let's go, ce sera une manière de me faire pardonner. Allez hein. Fuck me. There's devotion and then there's stupidity. Ah je suis assez d'accord avec toi Carla. God of magic. Ah mais oui oui oui. Handle this without sacrificing Gail. She's no god at all. Ouais, c'est ça, dis-lui. Poor Gail. He must be in bits after hearing that. Oh. I'll distract him. Tell him I haven't read a book since secondary school. Watch his face melt off.
C'est la meilleure, c'est la meilleure. Ah, j'ai pas envie de remuer le couteau dans son truc là. On lui parlera de ce que Damon lui a dit plus tard. Elle est incroyable. J'ai pour tous les level up, mais pour Winnie, Lucia, Oriane, Eva, Shilke, Faël, Lyric, Angèle, Shadow et Astex. Merci beaucoup pour votre présence à tous, merci. Allez, Dodo, c'est bon, Micheline, ça y est, elle est finie cette soirée. Putain, on devait juste parler au magicien à la base, c'est parti en couille. T'as raison, révolte, la merde. Elle est si pure, trop mignonne pour ce monde. Mais putain, mais c'est pas possible, c'est la... Oh, Rihanna. I don't know how much longer I can resist it. C'est la réunion ce soir. Tout le monde s'est donné le mot. Non mais... On fait 18 longs repos, y'a pas une personne qui veut blablater avec mon cul. Et là ce soir tout le monde veut me parler. C'est fou ça. Oh Rihanna, tu es si belle. Tu es si beau, tu es si... Voilà. Tu es si... You did a brave thing. Saving those people in the grove. Oh là Rihanna, regardez-moi ce profil. Ce profil est parfait, faut sortir le rhum, on en a besoin là. Oh là 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 là, c'était courageux de ta part de sauver les occupants du bosquet. Je n'avais pas vraiment le choix, ils avaient besoin de mon aide. Apparemment, mon aide n'aura pas servi à grand chose, les cultistes ont fini par les attraper. Ce n'était qu'une perte de temps, avec le recul, je regrette. Ce n'est pas pour eux que je l'ai fait, j'ai tué les gobelins parce qu'ils étaient en travers de mon chemin, c'est tout. Ouais, Micheline, elle essaye de faire. Ouais, elle a essayé de sauver les siens, mais au final. C'est quoi cette coiffure? Il y a eu un petit bug à un moment, mais regardez-moi cette. Oh là là, je veux ses cheveux. Hein. On va dire ça, je pense. Genre, on a essayé, mais finalement, ça a quand même mal tourné, quoi. Don't be so hard on yourself. Oh. It's not your fault the world is wicked. You did the right thing. C'est vrai, Ariana, t'as raison. The hurt runs deeper than he's willing to show you. Merde. Qu'est-ce que c'était? Vous allez bien? Concentrez-vous, ne vous agissez pas de cesser de me protéger. Ne rien dire. On peut peut-être lui demander s'il va bien quand même, il veille sur nous tout le temps, là, Bichette, Ariana, my gardien, Ariana. Vous allez bien? Yes. Bon. Yes, I... Pas l'air d'aller bien. Beneath the resilient veneer, a touch of fragility. Il a besoin de réconfort. Oh. He needs comfort. Attendre sans rien dire, le serrer contre vous, vous avez vraiment une sale tête, un petit câlin, reprenez-vous, nous avons affaire. Oh, peut-être Ariana veut un câlin. On fait des câlins à tout le monde. On a fait des câlins à Carla, on fait des câlins. Non, mais Micheline, finalement, c'est... Elle aime distribuer de l'amour. Vous avez vraiment une sale tête, un petit câlin. C'est vrai que je la vois bien dire ça, quand même, j'avoue. Vous avez vraiment une sale tête, hein. Câlin. Allez, viens. Oh, mon petit Ariana. Oh non, il est trop pipou. Oh non! Bon. Ça me détruit. On a choisi la meilleure coupe pour ça. It's been a very long time since someone did that. Bon. For me. On a tous besoin de câlins, hein. Ça fait du bien dans l'avion. Qui était-ce? Ne vous y habituez pas trop, je suis plus du genre forte et silencieuse. Non, Micheline, t'es du genre... J'ai même pas réussi à m'exprimer tellement je me suis... Non, je me suis stoppée dans la route. Non, je me suis stoppée. Ça allait être trop. Non, non. Des fois, faut savoir s'arrêter. Non, non. Alors, du coup... Vous aviez l'air d'en avoir besoin. Bien sûr. Of course. Tout va bien, tout va bien. Un câlin, ça fait toujours du bien, mais oui. Micheline veut tout le monde. Wave after wave with. Oh là là, mais pourquoi tu l'as fait tomber la tenue là, hein? T'es temps apparent pour rien, attention. Each wave a set of orders to the infected. The order for your transformation has been given many times already. Oh putain. I just hope my powers last long enough to see this through. Bah moi aussi, hein. J'ai pas envie de devenir le bleu. Oh bah dis donc, c'était une sacrée soirée, hein. Aïe 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 aïe. Allez, bon, on peut se remettre en route maintenant. On devait à la base aller parler à Isobel, c'est la dernière chose que nous a dit Jaira, du coup, qui gère un peu... Ah, oh bah bonjour.
Ah, très bien. Le jeu ? Ah, allô ? Ah. Ah. Ah, allô ? Alors, on la refait. Moins crispé. Vas-y, Micheline, tu peux le faire. Bon, ah voilà, c'est mieux. C'est mieux. Jaira, donc. On lui a parlé. On a parlé à... Ouais, on a parlé à Alphira. Elle était dépitée. Elle nous a expliqué justement que les Tiflins se sont fait attaquer. Excusez-moi, est-ce que Raphaël est en train de jouer aux échecs avec Moll ? Moll, parle pas à ce gars-là, là. Lui parle pas. Don't, lui parle pas. I didn't even want to take this one. Kalimshan rules, dear. The first piece touched is the first piece moved. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? That's garbage. No matter where the knight goes, I'm gonna lose it. Then make the sacrifice useful. Guard your Mistra, or come for my Siric. What's going on here? Look who made it. For once, I saved your butt out there, didn't I? When square now. C'est vrai qu'elle nous a donné un coup de main à l'entrée là. Do you play lance ball by any chance? It's my first time playing. The keen gleam in Mal's eyes reveals the lie. Ah. T'es encore en train d'essayer de me la faire à l'envers, Mal. Ça suffit. Bousculer accidentellement le plateau en faveur de Mal. Alors, replie-toi, protège ta dame avant toute chose. Tu ne devrais pas jouer avec cet homme, c'est un diable. Mets-lui la pression, attaque les pièces placées devant son roi. Au risque de te décevoir, j'ai jamais joué au fer de lance. Bascule accidentellement le plateau en faveur de Mal. Est-ce qu'on tricherait pas, franchement, pour la pitchoune? Mais c'est vrai que, ouais, faudrait la prévenir aussi, quand même. Ouais, j'avoue, c'est vrai, c'est un diable, quand même. Après, à mon avis, elle est au courant, non? Enfin, je sais pas, ouais, non, peut-être pas, il est pas en... Ouais. Vas-y, on va la prévenir. Prévenir. Mais enfin, écoute-moi! Merde! Oh, du coup, elle a joué sans que je l'aide. Il va la battre. Oh, merde. Hells! Thought I had you. They always do. You came close though. All you needed was a dash more. Pourquoi il lui parle? You will remember that, won't you? Oh non 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 non. Mal? Mal, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mal, viens ici. Sale gosse, viens ici tout de suite. What a lovely specimen she is. Laisse-la tranquille toi. A blushing apple. Oh putain de merde. Mais c'est pas possible, comme si on avait pas assez d'emmerde. If you hadn't been so hell-bent on exposing my truer nature. Elle a le droit de savoir, c'est pour cette raison que vous êtes ici pour jouer à vos petits jeux. Retournez plutôt dans les enfers qui vous ont vu naître, voulez-vous. Ouais. Je pense qu'elle est là. Cassez-vous plutôt, ouais, j'avoue, barre-toi. Putain, mais à ce moment-là, il voulait... Bah, tant pis, en vrai. Hell is wherever I take it. I just call it hope, remember? But don't you worry about Mal. It goes without saying, she still has the... Non, il faut que j'aille parler à Mal, il faut pas qu'elle va, qu'elle valide, hein. The only option she has left. Non, 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 non. I sense there's something you want to ask me. I do. I have a tellement la classe à Starion, par contre. Proposal for you. Vas-y, demande-lui. Qu'est-ce qu'il va nous demander par contre, hein? If you're hoping to taste my blood, little vampling, think again. It burns hotter than wyvern whiskey. This is serious business. Devil. My old... A long time ago, someone carved infernal ruins into my back. They're a fragment of a contract. I'd like to know what the full contract says. C'est BG quand même, hein. Aïe, aïe, aïe. Cessez vos petits jeux, Raphaël, aidez-le. C'était une mauvaise idée, Astarion, trouvons plutôt un autre moyen. J'ai bien l'impression qu'il n'en a pas la moindre idée. Bah non, en vrai, aidez-le, hein.
pense. Parce que Astarion Bichette, il a besoin de savoir, et c'est vrai que c'est pas, c'est un diable, quoi. Donc forcément, il sait forcément ce que c'est écrit. Je sais pas, en vrai. Ouais, vous pensez que c'est une mauvaise idée? Je sais pas, en vrai. Je vous suis. Oh, such impatience. Ouais, je suis pas patiente, ouais. Soit tu l'aides, soit tu l'aides pas. But Bûcher le diable, non, mais oui. A love letter, a warning, or j'ai pas le level up pour voir le merci pour la présence. I could give you all the gory details. But of course, you'll have to évidemment do first. Quelle surprise. Rendre un petit service en échange. Rien n'est gratuit. You'll get back to me. This is important, devil. When? Don't worry, I'm motivated to aussi, help you. Scars often tell such wonderful stories. I think yours might be truly exquisite. I'll see you soon. Et il se barre comme ça, genre pas de problème. Mal. Où est-il? Mais on le connaît, lui. C'est celui qui était attaqué, accroché au moulin. Vous me suivez ou quoi? I was about to ask you the same. I'm going to Moonrise Towers in search of my friend Walbrin. Ah. And you're doing the general heroism, I believe it is. Bah ouais, j'ai découvert cet endroit alors que je me rendais autour de Haute Lune. Ouais. Oh, welcome to the club. There are deep gnomes being held in Moonrise Towers. Il y a plein de gens towers. Qui sont prisonniers là-bas. Va falloir qu'on fasse. Va falloir qu'on sauve. Il y a des tiflins là. Il y a des gens. Faut qu'on les aide. Ouais, c'est ça, c'est le monsieur du manège. Moi aussi, je vais autour de Haute Lune si vous me laissiez le chercher. Même si vous parveniez à échapper à la malédiction des ondes, vous n'arrivez jamais à vaincre les cultistes. Sont trop loin. Mais attends, il va y aller? Non, je vais l'aider. Je vais lui proposer d'y aller. Moi, dans tous les cas, j'y vais. You wouldn't even know what he looks like. Bah, ça doit être un gnome, again, hein. My track record is... J'imagine. Well, si j'en vois, je leur demanderai comment il s'appelle, et voilà. Alors, c'est réglé, vous restez ici, je m'occupe de partir en quête des tours. Ouais, non. That's... On va pas l'envoyer à la mort, à la malédiction, les cultistes, il va crever. Il me fait de la peine. Oh! T'as des potions pour moi? Si t'as des potions pour moi, je prends. Ouais. La brillante réplique est de votre côté, vous allez au tour. Ok. Ouais, c'est quoi votre brillante réplique? Oh, de la poudre à canon? Vous voulez dire plus efficace ou moins efficace que Gale? Ouh, ok, alors moi je vais sauver et toi tu fais ça. Vas-y. Salut Fen, ça va bien et toi comment tu vas? Salut Antares, bonsoir, c'est celle qui arrive, j'espère que vous allez bien. Very good. Very good. Ouais, on fait ça. Je veux la poudre à explosif, là. You, off to your heroism. Bah oui, bien sûr. Some of us are counting on you. Oui, bah on essaye, hein. C'est un boulot de chaque jour d'être Micheline, la sauveuse de l'univers, mais bien sûr. Hein. Bon, je devais aller chercher une certaine Isobel. C'est fou, ça. Oh, putain, l'araignée. Ah, saute pas comme ça, on t'a déjà dit. C'est dingue, ça. Oh. Attends, non, fallait que je trouve Molle. Je suis en train d'avancer alors qu'il faut... Molle? Où est parti Molle? Je l'ai pas trouvé. Ah, putain, l'araignée de ses morts. Où est parti Molle? Quelqu'un a vu où est parti Molle? Il faut que je lui parle. Il faut que je lui demande de ne pas écouter... Ah, Molle! Trust in my gut. Écoute-moi bien. Les diables, c'est non. Nothing personal. But Raphael's offered me a partnership already, and it seems like a sweeter deal than throwing my lot in with you. Oh bah super, je me sens offensé. No kid. Moi. No. Oh non, mon bébé. Écoute-la. Garde tes distances avec Raphaël. Quoi qu'il te fasse, sache que ses cadeaux sont toujours empoisonnés. Si Raphaël t'a fait une offre intéressante, tu devrais l'accepter. Enfin, nous autres tiflins, nous avons déjà bien assez d'ennuis avec les diables. Tu devrais garder tes distances avec celui-ci. Raphaël est un vrai diable au sens littéral du terme. Et toi et ton âme est en danger, Molle. On va lui parler... Persuasion. Ouais, j'aurais plutôt dit tiflin, moi.
On a déjà assez d'ennuis avec les diables. Ah, après, ouais, si... mais il faut qu'on arrive à la persuader. Ok. Micheline, vas-y. Dis-lui. Oh putain, mais pourquoi j'ai pas le bonus de Shadow Horde? C'est fou, ça. Elle m'a putain. Relance les dés. Mal, tu ne feras pas ça. J'ai dit non, voilà. Ça sent mode leur mode papa hier. Y a pas de soucis, fait. Bourrage avec le mode papa. Des bisous. Et merci pour la leur. Merci beaucoup. J'espère que tout va bien. I kind of believe him more now than I did a minute ago. No! Mais t'écoutes pas ce que je te dis! If our kind looked out for one another, we wouldn't need to deal with devils. Bah moi j'essaye qu'on se serre les coudes, hein, ok? Que t'a-t-il promis au juste? Protection for me and my kids, that's all. Not that it's any of your business. I'm not poking my nose into whatever. Putain, merde, on a raté la perspicacité. Je n'ai pas passé aucun marché avec lui, il essaie juste de m'appâter. Mes problèmes sont autrement plus urgents que les tiens. Je ne supporte pas de jugement molle. Je suis curieuse d'en savoir plus, voilà tout. Je ne porte pas de jugement, ouais. Ah! La protection jusqu'à la porte de Baldur. Il m'a promis que personne ne ferait de mal comme Zeb avant lui. Look, you saved us. Not knocking that. Zevlor s'est dégonflé. Putain, Zevlor, il les a abandonnés apparemment. I won't. Now there's no grove, no coin, no one taking us to the city. I'm not letting my crew get eaten by shadows. Maybe I'll make a deal, maybe I won't. But it'll be my choice, not the devil's, and not yours. Ok, putain, elle a plus de motivation que. Bon bah très bien. Ah. Carla, quelque chose. J'ai commencé un moine hier. Ah, let's go, Fen. Ça a l'air d'être extrêmement satisfaisant. Watching kids make the same exact mistakes you made. Ouais, j'avoue. Knowing there's absolutely nothing you can say to change their mind. Then again, Mole's a hell of a lot smarter than I was at that age. Maybe she'll figure it out. Peut-être difficile à dire, une chose est sûre, elle sait se débrouiller. Elle est sur la corde raide, ça ne m'étonnerait pas de l'avoir tombée. Elle est remarquablement futée. Bah, difficile à dire en vrai, hein. Elle sait se débrouiller, mais après. I'll keep an eye on her anyway. Doesn't hurt to have a beefy auntie on your side, right? Je l'adore, elle est si parfaite, franchement. Bon, du coup, on disait que nous, faut qu'on trouve Isobel. C'est fou ça. C'est dingue cette histoire. Bonjour. Je sais pas où sont mes. Oh putain, ils sont là. Mon crapaud. Je suis morte. Oula, attends. Journal intime d'Isobel. Oh. Je peux lire ça? Est-ce que je peux lire? Depuis mon retour, il y a comme une souillure en moi. Je la sens dans mes poumons, je ne peux pas m'en débarrasser. Elle ne me quittera jamais. Cette mort qui empeste mes entrailles, il y a ces choses que même la Vierge Lunaire ne peut pas guérir. De ces choses qu'elle n'accepterait jamais chez ses propres fidèles, je n'aurais jamais dû revenir. Oh, bah ça m'a l'air d'être une charmante personne. Ouh, alors ça c'est de la... Ah, ça c'est de la lumière. Bonjour. C'est elle qui fait le bouclier. Eh bah. C'est-à-dire que vous êtes en train de sauver beaucoup de gens. Oh, ça va? Elle est belle! C'est fou, ils sont tous beaux là! Bonjour! The true soul who's going to save us all. I'm Isabel. Pleased to meet you. Salut! Pleased to meet you too, bonjour! Vous voyez qu'il va tous nous sauver. C'est pas du tout. Ça met pas la pression, c'est bien!
Qu'est-ce qui vous a fait croire ça? Moi de même, on raconte que vous nous protégez cette auberge en tenant les ombres à l'écart. J'ai beau avoir le parasite d'une âme éveillée, je ne partage pas leur état d'esprit. Les nouvelles vont vite à ce que je vois. À part votre nom, je sais très peu de choses à votre sujet. Pourriez-vous m'en dire plus? On raconte que vous protégez cette auberge en tenant les ombres, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Très charmant, madame. Tout à fait. Free from the absolute's influence, yet able to walk among cultists. It's almost too good to be true. But I'd be a poor cleric indeed not to avail of a blessing when I see one. Tu m'étonnes. Let me guess. Jahir has sent you to beg a protection spell of her favorite cleric. Je crois que c'était le but, ouais, pour qu'on résiste un peu plus aux ombres. Ouh. Merci. Oula. Charles fait la gueule. Perfect. It'll make you immune to the lesser effects of the shadow curse, which will get you closer to the towers. But there are places it won't help. Places where the curse is darker. Ça ne sera pas dans les zones les plus sombres là où la malédiction est la plus forte. OK, ça va nous aider globalement mais pas partout quoi. Even the deepest shadows though. I don't know how. The harpers are trying to figure it out. Selunite magic. Dark lady, forgive me. Oh. Good nose. Like a nasty little terrier. Ah! Ah oui, Char et Luné. Bien sûr, bah évidemment du coup hein. C'est les deux sœurs qui se détestent finalement du coup, bien sûr, adoratrice de Char, adoratrice de Céluné. Voilà, c'est Luné. Arrête de faire la gueule, ombre cœur merde, c'est fou, ça va nous aider. Mâche ta chic, ça va bien se passer. Ouais, une opposante à Shadow, tout à fait, ouais. Alors, ça va bien se passer. Elle est vénère, regardez-moi ça. Elle a les sourcils français. Elle a la même ride du lion que moi, là. Regardez. Ces deux, là. Ça, c'est la ride de... Je suis en colère, là. I am colère. Merci, ces bonnes paroles, il est temps que je m'en aille. Il y a autre chose que je devrais savoir avant de partir? Ouais, donne-moi des infos. Ok, Kateric, ouais. Ah oui, qui apparemment serait très résistant, n'est-il pas? Wait. Do you hear that? Ouais. Something's wrong. Comment ça, something wrong? Something wrong, where? Comment ça? J'ai pour les level up, Nyx, Glitch, Marie, Libellule, Alexander, Killer Frost, NC, Kazal, Jin, Taplan et Arkelix, merci pour votre présence. Oh, bonjour! Hello, Isabel. Bonjour. Vous êtes qui? Is that you? What's happened to you? I've been blessed. You can be too. Come with me, and you can hear all about it from Ketherick himself. Alors. Moi, je suis d'avis de suivre l'autre emplumé. Non. Non. Salut Bratisla, comment on va? Go suive Marcus. Salut Baizo, salut. Alors non. Arrête de foncer son fils, ça va donner des rides. Ça doit se mettre avec des rides, elle est belle. Oh, regarde, ils sont tous... Regarde. Wow, regarde-moi ces visages vénères. Agro-gros colère. Agro-gros très colère. Agro-gros-gros... Même Astarion est colère. Si on pouvait voir Shadowheart, là, on voit sa petite mimine, là. C'est la plus belle de toutes les mimines, mais c'est pas grave. Quel genre de créature êtes-vous? My instructions are clear. Take the girl to Ketherick. Je vais la ramener à Kateric ? Non, mais en fait, non. Ce sont de ses pensées en quête d'informations supplémentaires. On peut savoir ce qu'il lui veut. Ça promet d'être amusant, j'en suis. Contrairement à vous, je n'ai pas d'ordre à recevoir des petits copains de l'absolu. Touchez-la et vous êtes un homme mort. Oh ! Oh ! On peut savoir ce qu'il lui veut ? Ouais, ça me paraît être bien. Qu'est-ce qui se passe ? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Fais spoil de ouf, mais j'ai oublié. T'étais pas arrivé là encore, Winnie? Ah merde! Marcus est ici pour vous enlever. Isobel, si nous voulons vous tirer de ce mauvais pas, va falloir nous battre! Bah ouais, hein. C'est vous allez faire. Non, mais oui! On va se battre! Oh, Astarion désapprouve. Non, mais Astarion, merde! Astarion, ça suffit. Salut, patate! J'ai pas essayé de visionnage, comment va? Ketherick will never give you whatever it is you've been promised. C'est vrai qu'il a des jolies ailes, hein. Ça on peut pas, voilà. C'était évident, t'inquiète, bon ça va alors. Euh...
Mais Astarion, il est toujours à l'opposé de ce qu'il faut faire. Hein. Ah! Cours mal! Cours! Oh putain! Non! La pitchoune! Ah! Moon Maiden, guide my hand. Ah! Oh putain, c'est lui qui commence! Il a fait la meilleure initiative! Merde! Ah! Oh, bah on va lui mettre un héritage infernal dans sa gueule! Tremble, Micheline! Voilà, c'est pas mal, c'est un bon début. Alors. Aïe, Astarion. Oh putain, Astarion, il a 11 PV. Excusez-moi, le fight vient de commencer, est-ce qu'on peut F5? Ah! Putain, ils ont piqué molle. No. 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 Alors, The Spider! Vous piégez votre cocon. Vas-y, vas-y! Piège-le! Oui, piège-le, voilà, c'est bien, ça c'est une bonne araignée, ça. Ça, ah, et tu vas sortir, là, comme ça, au moins, alors, mets-toi plutôt là. Non, voilà, ouais, comme ça. Si l'autre, il bouge, tu fais une attaque d'op. Je compte sur toi, d'accord? Je compte sur toi. Je commence à m'y attacher un peu à cette araignée, c'est très étrange. Micheline, c'est ton moment! Qu'est-ce qu'on fait, Micheline? Micheline, elle a toujours son putain de torche, là. Tu veux pas t'équiper d'une deuxième épée, Micheline, merde! Si je l'équipe d'une deuxième épée, ça va me coûter une action, c'est chiant, donc c'est pas grave. On va faire ça. Comme ça, j'ai mes marques du chasseur, ce qui fait que je vais pouvoir lui faire plus de dégâts. Et on va aller lui mettre une lacération dans son cucu. Le critique. Bon, par contre, du coup, ça a cassé son cocon, mais c'est pas grave, on lui a fait un critique. Et on va retaper, vas-y, Micheline. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Comment tu fais pour avoir autant de bagues sur tes doigts sur BG3? J'ai le droit qu'à 2 par perso. Bah ouais. Non, c'est 2 par perso, ouais. J'ai pas plus. D'ailleurs, j'en ai pas des bagues. Mais c'est le collier, ça. Donc non, non, j'ai pas plus que 2 aussi. Hein. Ok, Micheline, c'est good. Astarion, t'as mal un peu là, non? Ta-ta-ta-tam, pa-pa-pam. Pa-pa-pam. Je sais pas, t'es bagué, c'est une bague. Ah merde! Ah, mais tu les as vus? J'ai levé mes mains. J'ai pas tilt my bag. Ouais. C'est parce que j'ai des capacités. C'est un mode. Aïe, ya. J'avais pas vu. Astarion, tabasse. Oh. Vas-y, vas-y. Pouh. Astarion, c'est toi le champion. N'y a que le. Ça va te remettre des PV et... Ah ouais, mais si je fais ça, je vais avoir une attaque d'op. Et c'est chiant. On va plutôt... J'allais dire, on va prendre une potion, mais bah ouais, parce que Char, elle joue dans longtemps. Du coup, c'est chiant. Du coup, Astarion, il pourrait se faire mal au cucu. Voilà, prends une potion. Ce sera très bien. On va faire ça. Tadam! Ok, poussez-le, poussez-le. Attention! Oh, elle s'est fait dérouiller la gueule. Alors, Isabelle, s'il te plaît bien. Alors, attendez, deux choses, l'une. Non, mais on va mettre les gardiens. Vous connaissez le cheat code des gardiens. Connaissez-vous le meilleur cheat code de ce jeu, finalement? Ils sont où? Ils sont là. Donne-moi mes gardiens. Vas-y, comme ça on va lui mettre à lui. Et elle va aller. Shadowhurst qui va aller défendre ses lounets là. Hop là! Bon, c'est pas la folie, mais c'est toujours ça. Et maintenant tu vas la soigner parce que elle est dans la merde. S'il te plaît. Voilà, merci. Hop là. Ouais, 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 à 30 HP, ouais, ouais. Ça suffit! Saloperie. You'll make excellent fertilizer. Oh wow. Ah oui, Jaira rigole zéro aussi. Rigole zéro. Putain. Non, mais pourquoi elle bouge? Mais pourquoi tu bouges? Mais elle est con. Non, elle est con. Je suis désolée, elle est con. Non, mais... Non, mais l'attaque d'op, mademoiselle. Bon, Carlac. Carlac, là, écoute-moi. Y a pas le temps de niaiser, là. Tu me mets la rage, là. Ah, gros goût! Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pétale lui?
Ah, il y a un monde où je le pétale lui. Et ouais, parce que sinon, de toute façon, je prends l'attaque d'op. Donc, on va faire ça. On va préparer l'attaque, comme ça, on fait plus de dégâts. Et maintenant, on va lui mettre une lacération. Ouais, tu me diras, c'est pas... comme ça, on peut peut-être lui mettre un enseignement aussi, là. Ah, putain. Ah, si, Carlac, fais un effort, bro. Tabasse. Pas convaincu, pas convaincu. Wow. Vas-y, vas-y, Micheline, défonce-le. Oh, si. Le laissez pas tabasser, Isabelle. Le laissez pas. Voilà, tabas. Oh putain, il s'est fait dérouiller. Oh. Voilà, défonce-le. Putain, il lui reste un PV. Oh, connard. Ok, il lui reste un PV, il lui reste un PV. Ça, ça joue quand, cette merde, là? Elle est où? Elle joue après, elle joue après. Il faut que je la cocon. Ou alors, je fais toile. Si je fais toile, on est d'accord que j'entoile tout le monde. J'entoile pas... Ah, je peux entoiler ces deux-là, peut-être. Ouais, vas-y, vas-y. Je sais pas si je les ai eus. J'ai pas l'impression. Je suis un peu déçu. Bah, elle va rester là. Ouais, bah. Ah. Ok, Micheline. Je crois qu'il va falloir mettre des PV à Isobel parce qu'Isobel elle a littéralement 11 PV. Donc, on va faire un truc. De toute façon, Micheline aussi elle a mal. Donc, on va faire ça. Et on va s'envoyer une grosse popo à nos pieds là, à toutes les deux là. Hop! Tadam! Magnifique, c'est très bien Micheline, bravo. Maintenant, sois gentil, termine cette espèce d'enfoiré. Allez, fais dodo. Et maintenant, tabasse celui-là. Ouais, ouais, bah ce serait plus efficace si t'avais une épée dans ta seconde main plutôt qu'une torche. Aïe, aïe, aïe. Ok, Astarion, c'est ton tour. Est-ce qu'on a un endroit qui n'est pas visiblement visible? Vous m'avez compris, bien sûr. Si je me mets là, ici là, techniquement, putain, j'ai déjà fait, comment ça j'ai déjà fait? Rayon ardent ça va pas servir, on est d'accord, hein, c'est des putains de saloperies de, ouais, voilà, défonce-les, vas-y défonce-le, finis-le, finis-le, Astarion, merde, un petit effort, ah, 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 défoncez-les, ne laissez pas la tuer! Ah! Bien vu, perso, j'ai un build support potion de sauveur. Tu m'étonnes. Ah, oh, mais les potions comme ça, ça save. Hein. Ça peut sauver des fights. Hein. Bon, vous voulez bien vous battre un peu les ménestrels là au boulot là? Voilà, merci Shadow. Oh, les gardiens qui carrient. Oh putain, donne-lui tout. Donne-lui toute ta vie là. Mets-lui, s'il te plaît. Serait temps de. Ils sont où les autres connards là? Y'a plus que lui? Horreur et les, y'en a une là, y'en a une là. Ah c'est bon, y'en a plus que deux! Oh, putain, les gardiens, y'a pas à faire, hein. Y'a pas. C'est vraiment le meilleur sort de l'univers. Bah ouais, sauf que maintenant, du coup, je vais où? Parce que l'autre, elle a mis sa glace partout, elle est mignonne, Jaira, hein, mais putain, elle a glissé. Non, mais Shadow, comme tu t'es pas. Oh! Oh madame, bonjour! Je peux apprendre à faire ça moi aussi? En vrai, si tu as les stuff OP sur heal, etc. Ça fait sens de faire un potion thrower. Un potion thrower. C'est genre un qui va être juste là pour envoyer les potions, genre? Y'a plus de glace. Alors, hop, car là tu vas claquer des talons, comme ça tu pourras taper plus de distance. Et puis, oh bah j'allais dire on va aller péter, mais là-bas ça va être un peu compliqué, ça va être trop loin je pense. Puis c'est en bas surtout. Et ben tant pis, hein, je vais être obligé de faire de la distance. Non, comment ça impossible d'y aller? Elle s'est mise dans la toile. Merde, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ils font pas d'efforts et du coup elle perd sa rage. Et ça a plus tu heal en zone, là où les sorts, il y en a très peu qui heal en zone. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai que c'est un peu le truc... Bah, à plus haut level, il y en a, quoi. Mais là, au level où je suis, c'est vrai qu'il n'y a rien, quoi.
Bon bah on va avancer à la Spiders hein. Après pas bouger hein. Micheline, on y va ou pas là? Chaud patate Micheline ou pas là? S'il te plaît, t'entoile pas. Va ici là. Voilà. Saute. Mets-toi ici. Putain, je vais pas pouvoir hein. Je vais être trop loin. Si j'ai. Lui là, pas l'autre. Voilà, merci Micheline. De nouveau, de nouveau. Le mur a pris cher mais putain. Bon, le jeu des fois fait pas d'efforts quand même. Faut... Non mais faut se le dire quand même. Je pense qu'il faut, faut savoir admettre. Par contre la musique elle est tellement incroyable. Bon cette fois est-ce qu'on peut viser correctement s'il vous plaît. Nickel, tu m'en fais un deuxième comme ça, Astarion ? Merci, Astarion ! Voilà un peu d'efficacité dans cette équipe ! Tu veux aspirer l'arrière de monter ? M'a regardé de travers. Nine Blade, excellent morceau. Tellement spammé dans la playlist, tellement. Salut, Jaja, comment on va ? Y'a pas de soucis, Jaja. Attention aux cours quand même, hein. Les cours avanent tout de choses. Char, elle a... Putain, en plus, comme elle a glissé, elle a perdu sa concentration, elle a perdu ses, ses gardiens. Tu fais pas d'efforts. T'as de la chance que... Voilà. Mais tu fais quand même pas beaucoup d'efforts. Hein. Bah, l'autre, je l'aurai jamais, hein. Il est trop loin. Beaucoup trop loin. Je peux faire du soin, à la limite, pour Astarion. Non, il est trop loin. Et bah Nick, voilà. Hein, c'est ce que j'ai à dire. J'ai tapé la déco, ouais, mais elle méritait, méritait. Allez, finis-le là, soyez efficace les ménestrels, s'il vous plaît. Voilà, voilà, tabassez-le, lui reste 8 PV là. Toi, tu bouges plus, toi, tu vas te mettre en danger là. Arrête de bouger. Qu'est-ce que. Ouais, ça s'est super bien passé, hein. Ça va, Carlac? Mais non, mais. Qui c'est qui a cramé ça? Merci pour les 15 bits, Jaja, merci beaucoup. Attendez doucement tous là. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Jaira, pourquoi tu es en feu? Arrêtez de bouger tous. Il est où l'autre? Marcus là. Ah mais j'ai pas eu le temps de loot. Marcus has been with us since the start. They've been tracking us this whole time. Le décor qui tombe en ruine. And that was no random attack. You were the target, ah bah si elle gère le bouclier, effectivement, ouais, ils savent qu'elle est importante. Catherick will strike again. We need you to strike first. Ouais ouais, on va y aller. Discover the source of his invulnerability. Make him mortal so we can make him bleed. Ouais, faut faire. C'est vrai qu'apparemment il est mortel lui, donc faut qu'on le refasse devenir mortel pour tuer quelqu'un d'immortel. C'est super. Ça va sinon pour votre mercredi. Everyone in this inn is dead. Marcus m'a dit que Catherick vous voulez vivante, pourquoi? Je verrai à ce que ça se produise pas. Dans ce cas, vous feriez mieux de trouver moyen d'échapper à leur prochain attentat. Il vous voulait vivante, pourquoi? Why does a man like him do anything? Power, spite, some kind of twisted personal morality. J'ai pas assez Isabel, c'est quelque chose pour ça. Ouais, c'est pas passé loin. Hein. On vient de se faire une nouvelle amie. Merde, je veux pas qu'elle meure. As for why he'd want to take me alive. Tu m'étonnes. I don't know. And I don't want to find out. Now that we have you. I hope I won't have to. T'inquiète pas, tu as la protection rapprochée de Micheline la Tifline. Il ne t'arrivera rien. Putain, c'est pas loin quand même. Quand j'aurai réglé son compte à Catherick, vous n'aurez plus rien à craindre. Toujours la même rengaine, ça devient lassant à la longue. C'est là une petite phrase dont je ne me lasserai jamais. Je vois bien Micheline avoir un petit peu quand même d'ego vite fait. Oh, je m'en lasserai pas. Good. Because your work here is only beginning. J'adore. No mercy. For Catherick will have none on you. End this. Da 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 da. Ta première run. Non, du coup, j'ai. Alors, c'est ma première run en stream. Du coup, on est sur une run découverte. Et du coup, bah évidemment, pas de spoil, pas de backseat. Parce qu'on essaye de baser nos décisions sur Micheline. Du coup, notre personnage, notre Tifline qui est là, ici, bien évidemment. Et mais moi, j'ai déjà 300 heures de jeu. Presque rien finalement. You Marcus. Ah oh, oh. Un nouveau parasite. Let's... Oh, on l'a mis à Walp. On l'a mis à Walp, mais c'est mérité.
Je tombe en amour, madame. Elle est jolie. Ah ça, Isobel, oui, effectivement. Est-ce qu'on peut faire un petit point là? Parce que nous, on avait récupéré des trucs, là. Pourquoi est-ce que j'avais enlevé ça de ça? Durant un combat, si le porteur commence son tour avec 50% de son maximum de points de vie, au moins il bénéficie de fureur. Ouais, mais non. Là, j'ai eu un anneau avec de l'invisibilité, ce qui pourrait être pas mal, peut-être, pour notre cher Astarion, bien sûr, qui se la joue furtif. Voilà, voilà. Mais ouais, c'est pour ça. Et quand, justement, j'estime que les décisions en termes de discussion et de choix peuvent être un peu trop influencés justement par la connaissance que j'ai déjà du jeu, je vous laisse le choix en termes de dialogue. Je laisse avec l'extension le chat choisir, et même des fois pour les dialogues avec les personnages, je laisse aussi, parce que c'est rigolo, j'avoue, l'extension avec les choix, j'aime bien. J'aime bien, qu'est-ce qu'on a nous? C'est vrai qu'on avait récupéré la tête de Nir, je sais pas trop ce que je vais en foutre de ce truc, mais écoutez, on a ça dans nos poches finalement. Parce que pourquoi pas, on a encore un sac plein d'araignées aussi, on a une épée pour les ailes. Longtemps qu'on s'est pas baladé avec les ailes, mais en même temps, bon, Carlac quoi, finalement. Et bah pas tant de choses que ça, hein. Bon. Est-ce qu'on se ferait pas un petit oui, hein? Ah, ça va mieux? Quelque chose à dire sur ce qui vient de se passer là? Ah non, rien à dire sur la situation, Carlac, un mot peut-être? Non. Non, oui, non, mais j'ai pas envie de la déprimer en lui parlant de ça. Alors, on lui parlera de ça plus tard, mais bichette. Laissons-lui un ou deux jours de répit, là. Elle vient à peine d'être réparée, voilà. En gros, mais ça, c'est le permis. Ok, faut que j'aille faire quoi? Ah oui, faut que j'aille participer. Ok, d'accord. Faut que j'aille avec des ministrels, super. Ma foi, ça pourrait être amusant. Non, mais enfin, Micheline. J'ai encore quelques questions à vous poser. Ouais, je vais vous poser des questions. Je veux en savoir plus pour vous, très, très cher. Malédiction a l'air incroyablement puissante. Que pouvez-vous me dire à son sujet? Ça pourrait peut-être aider Alcine, ça. Comment vous êtes-vous retrouvé ici? J'ai très peu de choses à votre sujet. Pouvez-vous m'en dire plus? Bon, de toute façon, on va lui en demander, hein. It belongs to the goddess Char. Allez, posez des questions. According to the Harpers, it fell here when they defeated Kothric. The one who tried to have me kidnapped. I suppose they didn't defeat him quite hard enough. Comment vous êtes-vous retrouvé ici? Right place, right time. When a cleric of Saluna stumbles into a Sharan shadow, she's bound to set it right. Ah là là, Shadow se ravit de ce qui se passe actuellement. J'ai très peu de choses à votre sujet, dites-moi en plus. But perhaps we should save the trivia. C'est vrai, on pourra apprendre à se connaître plus tard, c'est vrai. And we'll celebrate with our life story. Ouais, avec de l'apéro, bien sûr. J'ai très peu de choses au sujet de Selune et Char, pouvez-vous m'en dire un peu plus? Moon and shadow, light and dark. Pour comprendre un peu plus le macro, bien sûr. Ever at war, and this place has become one more battlefield. Merde. Sometimes life forces us to choose sides. Luckily, sometimes the choice is obvious. Ouais, c'est bien, je commence à avoir pas mal de temps de jeu et j'ai tendance à rester dans une zone de confort au niveau choix de dialogue but. Ouais, c'est terrible, j'avoue que quand tu sais un peu plus, forcément tu te laisses guider. Et c'est pour ça que je trouve ça assez intéressant de laisser le choix aussi, parce que même moi du coup il y a des options de dialogue qui ont été choisies par le chat que moi je choisis pas d'habitude, et effectivement ça permet de découvrir toutes les possibilités de ce jeu qui est immense et incroyable, bien sûr. Plus de Raphaël d'ailleurs, non, dans la cinématique non, c'était juste, il est où d'ailleurs, il est là. Je ne sais pas ce que c'est. Buste elfique. Ah bah c'est Kethric Thorm, celle qu'il était autrefois, un serviteur de Selune. Ah bah non, Kethric Thorm, c'était un serviteur de Selune. Va savoir pourquoi il s'est mis à servir Char. Et en plus de ça, il est immortel. Voilà ce qu'on sait sur le personnage pour l'instant. Au joie, au bonheur, finalement. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Une petite larve à Miam Miam, du coup. Elle veut toujours pas Miam Miam. Ah si, Carlac, elle est d'accord pour Miam Miam, Carlac. Depuis quand? Oh, faudrait que je convainque que Shadowhawks là. Moi j'ai quoi déjà là? On a pris quoi? Y'a quoi là-bas? Ouais. On va en garder 2-3, je vais voir un peu. Hein. Et je chante en main. Bah écoutez, apparemment. On va voir. Le problème c'est que oui, Molle elle s'est fait enlever du coup. On va aller discuter avec eux là parce que ça a l'air d'être un peu la merde.
Nous, maintenant, par contre, on a une bénédiction, on est d'accord. Bénédiction de Céluné. Le rayonnement de Céluné protège contre les plus faibles effets de la malédiction des ombres. Mais méfiance, car même la lumière de la déesse ne constitue pas une protection suffisante contre les hommes les plus obscurs, bien sûr. Voilà, vous avez compris. On a compris l'idée. Oh, le chat ! J'ai pas parlé au chat. Parce que Micheline est une rôdeuse, bien sûr. Your years of hunting and tracking have taught you to recognize a territorial animal when you see it. Ok. Toutou petit chat, je ne te veux aucun mal. Chut. Ça, je ne cherche pas à m'emparer de ton territoire, noble créature. Je te demande seulement de me consacrer un peu de ton temps. Oh là là, la rôdeuse spécialisée, vas-y là. Brosse-le de l'encens du poil sans mauvais jeu de mots. Hop. Allez Micheline, fais-moi un beau lancer de dés là. Ouais, bon, ça passe. Qu'est-ce que je manquais du tout? On s'est bagarré, Raphaël. On s'est bagarré avec quelqu'un qui a voulu enlever Isobel pour le ramener à Kéthéric, apparemment. Sa majesté s'appelle la créature, vraiment. Tu es un drôle d'animal. Dis-moi, comment es-tu arrivé jusqu'ici? Admirer le chat sans maudire. Tu as l'œil à tout, on dirait. As-tu remarqué quoi que ce soit d'intéressant depuis que tu es ici? On va lui demander. Good of you to notice. For my part, I have noticed the cleric is a liar. She promised me a bit of milk. Do you feel any milk, do you? Non, c'est genre vraiment la clairesse, c'est une menteuse. Elle m'a promis du lait et elle m'a pas donné de lait. Les dialogues de ce jeu sont fous, même avec les animaux, c'est génial. C'est génial, voilà. Sa majesté le petit chat. Mais ouais, du coup, on s'est battu, on a eu un gros fight, Raphaël, et on a win. On les a repoussés. Et maintenant, bah, il faut qu'on aille aider des ménestrels à faire une embuscade occultiste. Tu es un drôle d'animal, comment es-tu arrivé jusqu'ici? Slinked, of course. Évidemment. Ok, je vais admirer. C'est à eux, approuve! Ok. Mais chut, toi-même, merde, hein. Alors, vous oubliez tout de suite l'idée d'aller récupérer Moll, là. Tout de suite, hop, ça suffit les conneries, vous êtes des pitchounes, vous restez ici. Ouais. Alors non, j'ai tué les harpies. Non, tu dis n'importe quoi, Mirkon. Écoutez donc Mathis, la voix de la raison là. Voilà, vous allez tous mourir. Vous bougez pas d'ici, je me charge d'aller chercher Moll. Voilà. Non, parce que vous êtes des pitchounes et que moi je suis une adulte. On essaye en tout cas. Oui, on va la ramener, promis. Ok, je promets, t'inquiète, je promets. I promise. Oh, Bidouze! Est-ce qu'on ferait pas un petit peu le plein de ressources aussi, là hein? Quelque chose à dire, Roland? Il a parlé à lui, je sais plus. C'est moi où il est en train de piquer? J'ai Madman au Camille, Johan, Pretty et la Marquise de Jade pour les level up. Le bruit court qu'ils ont déjà mis la main sur votre cher frère et votre sœur. Oula. Que diriez-vous d'épancher votre chagrin au lieu de le noyer dans l'alcool? Alfira m'a tout raconté, je sais que vous avez déjà sauvé une partie de ces gens face aux cultistes. C'est vrai. Cute. Maybe she'll write a ballad about me. Non. She can leave out the part where my brother and sister were dragged away screaming while I was saving the orphans. Culpabilise. If you hadn't filled their heads with all that self-righteous heroic crap at the grove. Arrête, c'est pas vrai. C'est... Vous savez où ils sont, je suis désolé, raison de plus pour me rattraper en les ramenant. Arrêtez de pleurnicher, prenez plutôt les choses en main. Je suis désolé. Sorry, won't bring them back. Il est malheureux, Bichette. You go save the world or your own ass or whatever it is you do. I'll fix this. Tu veux pas me laisser faire? Any more traitors, kill them quietly. I'm trying to enjoy my drink. OK, bro. Eh bah, un plaisir, hein. Allez, bah, puisque c'est comme ça, hop, voilà, nous, on va faire le plein, Astarion. Veux-tu bien ouvrir ceci? Merde, pourquoi est-ce que je suis pas collé? Voilà, merci. Une binouze, du vin, hop, et encore. Je peux pas trop lui en vouloir, bah non, j'avoue, Bichette, Et son frère et sa sœur se sont enlevés. Il doit pas être au meilleur de sa journée. Hein. C'est pas grave, on va les sauver. Oh, la potion de vitesse, la drogue.
journal de l'aubergiste. Virginia nous garde. J'ai trop tardé à aller voir mon frère et à mon arrivée, sa demeure avait été attaquée et tous ses occupants emmenés pour être interrogés. Je doute de revoir mon frère un jour. S'ils lui ont mis le grappin dessus, je suis très certainement le prochain sur la liste. La seule découverte de mon hôtel suffira à me trahir. Mais je ne peux ni ne veux renier notre dame d'argent malgré les tourments promis par Kéthéric à tous ceux qui refusent de se convertir. Ah ouais, donc non seulement Kéthéric il est passé chez Char, mais en plus de ça, il a imposé à tout le monde de passer chez Char, quoi. Vas-y, vas-y, fais-le plein de bouffe, là, Astarion, là. Ouh, oui, c'est pour moi, ça. Oh, j'ai bien mérité, hein. Hop. On va se balader un peu partout, je suis pas allé, il y a plein d'endroits où je suis pas allé, là. Ah, putain, je voulais pas l'araignée, je voulais Micheline, là, ça suffit. Arrêtez les bêtises. Laissez cette araignée tranquille. Erkon, il est là. Perception ratée. Venez tous, là. Quelqu'un... Ah, merci. Oui, faisons de neige. Quand le porteur inflige des dégâts de froid, il crée également un cercle de glace autour de là où les cibles. Ok, ouais. Ouf, j'ai personne qui fait... Bon, j'ai Gaël qui fait de la magie, mais on n'a jamais Gaël avec nous. I missed that. Awesome. Bonjour. Est-ce qu'il y a Mirkel? I just want to go. Oh non, mon pitchoun. Mais ils me font trop de peine, les pauvres. Ils sont vraiment dans un monde de merde. Hein. C'est pas juste... Bonjour, ça va ici? Comment ça se passe? Ah bah ça a l'air sérieux. He still won't speak. Just keeps going with the bloody song. Nothing of use on his person. His original writ of duty, signed by Eltern himself. Fella must be one of the very first Flaming Fist. He must have something. Let's not give up on him yet. We believe the cultists have taken Duke Ravenguard to Moonrise Towers. Ah, emmener le garde corbeau. Oui, le père de Will, du coup. Non, il va trouver un moyen de pénétrer dans les tours par hasard. Pas encore. Pas encore. I trust you will do everything. Mais évidemment, on va. Mais bien sûr, on va essayer, bien sûr, bien sûr. On devrait peut-être se balader avec Will là-bas au cas où. Ok. The council sent a carrier pigeon with news that the city has been dealing with absolutist attacks. Okay, les types ont attaqué la ville, la garde d'acier tient bon. I'll request that Lord Gortash send some of them to aid in the fight against Moonrise. The curse won't harm them. Holy shit. That's my old boss. The guy who sold me to Zariel. Ah oui, c'était ça, Gortash. You know the name Gortash. A counselor with considerable influence on... Oh, lui, il a vendu Karlak à... Oh, lui, on le connaît pas encore, mais il a vendu Karlak à Zariel, c'est un fils de... Voilà. Seigneur Gortash, je croyais qu'il n'était qu'un simple conseiller. Comment comptez-vous atteindre la porte de bordure? Vous partez, le duc garde corbeau est toujours prisonnier à Haute Lune, je vous signale. Ouais. My role here is limited. I can be put to better use convincing the council to send reinforcements to help rescue the duke. Ah ouais, bah, le cœur du pitchoun, j'avoue. With the steel watch at our backs, we can storm the tower whatever. Avec la garde d'acier, ouais, c'est quoi ça? I'll do my best. But there's every chance I'll fall to the curse or the cult before I reach the city. Bah super, bah c'est peut-être pas une bonne idée de partir du coup. Partez du principe que vous ne recevrez aucune aide. Eh bah let's go hein. Quel plaisir, quel plaisir. Follow her guidance. Farewell. We'll meet again. OK. Super, formidable. Ça va vous? Flame color. That's your name, isn't it? Art color. Ça a l'air d'aller bien. I'm Fistula. Taniel, c'est le nom qu'il nous a donné, Monsieur Bibi. Oui. Alcine. A grand duke. You might know something that could help us bring him back. Dis-moi en plus! We found him out in the shadows. Géré dans les ombres, il y a une personne qui ne survit bien longtemps, mais je sais pas comment il est sorti, ni d'où il venait. Nothing survives out there for long. Don't know how he made it or where he came from. This is no physical ailment. It is a spiritual malaise. The man's mind has been gripped by the Shadowfell, yet it has not broken. J'ai entendu le nom Taniel prononcé par un ami à moi, Alcine. Est-il en mesure de vous entendre? Ouais, non, on va lui dire ça. Really? Pouvez-vous l'amener ici? Un peu d'aide ne ferait pas de mal. Ok. On peut. Est-il en mesure de vous entendre? You hear me, don't you, sir? You might not be able to answer, but you hear me. Laissez-moi l'examiner. I've
You know how to get through to him. On va essayer, hein. J'ai un peu de médecine, je crois. Ou détection de pensée. Vas-y, on va sonder son esprit. Sonde son esprit. Ah, c'est cher comme passé ce soir. Non, ça est un forfait téléphonique. Si, j'ai ça le pigé, t'inquiète. Je suis pas chez Char. J'avoue. Kéteric, il est pas chez Char. Ah oui. Daniel, allez, dis-nous en plus. Il faut que j'aille chercher Alcine. Elle est réaliste au moins, on sait à quoi s'attendre. Ah ouais, mais c'est ça, c'est vraiment. Partie du principe qu'on va pas venir vous aider et que vous allez devoir vous démerder, puisque de toute façon, on va probablement pas se sortir. Psychologiquement, son esprit semble dissocié de son corps. Ok, d'accord. Secoue-le. Ok. Personnel effet, ok. Comment on peut faire ça? Vous avez déjà cherché d'éventuels effets personnels? This was in his pocket. He doesn't seem to have any reaction to it now, but he held on to it for 100 years anyway. Ok. Savez-vous, vous êtes Flamme Kulag? If he does, he isn't sane. Il va pas bien. Examinez de plus près, vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose. Vas-y, examine, Micheline. Vas-y! Fais une pro, Micheline! Putain, hey, on fait des bondés pour l'instant. Ah, ça va probablement tourner, mais pour l'instant, ça va. Il était féru de travaux manuels ou qu'il jouait souvent d'un instrument de musique. C'est un barde! Oh, Micheline, c'est ton moment! Hein? Attends, alors, attendez. Attends, parce que déjà, on m'a donné un truc. Putain, qu'est-ce qu'on m'a donné? Je sais pas du tout. Non, celui-là, j'avais déjà. Ah, c'est ça! Ok, agent Art Kulak, Rad Flamme. Objectif, obtenir des informations sur les activités en cours dans les terres rattachées autour de Haute-Lune, administrées par Kéteric Thorm, descendant de la maison Thorm, implantée dans la région depuis des temps immémoriaux. Instruction! Prenez vos quartiers à l'auberge de l'ultime lueur et commencez à enquêter à la maison de la guérison locale! Les rapports qui nous sont parvenus font état d'un phénomène de corruption sous-jacente, mais cela reste à confirmer. Remarque! Les membres locaux de la famille Thorm vénèrent Céluné depuis des générations, mais les rumeurs indiquent qu'une enclave de disciples de Char aurait pris racine dans les contrées depuis quelques temps. Menez l'enquête sur la question et remettez-moi vos conclusions. Signé Grand Duc Eltan! J'adore ce jeu. Pardon. Un petit chanteur de Paul Capybara, je pense toujours à ce Paul Capybara, j'avoue putain. Effectivement, ok, alors attends, redisons, parce que du coup, à dire des conneries, j'ai pas vraiment suivi ce qu'il fallait. Prenez vos cardiaques à l'auberge de l'ultime lueur et commencez à enquêter à la maison de la guérison, ok. Donc faudrait qu'on aille à la maison de la guérison, mais d'abord on va aller parler à Alcine directement. On va aller parler à Alcine. Parce que quand même... Ah, gratuit, t'as un truc pour moi? Qu'est-ce que c'est là? Ça fait cling. I don't know. Sandales de toile en parfait état. All I know is I thought of you when I saw it. Tu es un bon chien, gratuit. C'est vrai que je me fais crier dessus. Pardon, Kinudro, comment va? On lisait la note, voilà, hein, tu fais pas lui jouer de la musique. Ouais, mais faut que j'aille chercher Alcine d'abord. Mais oui, c'est une bonne idée, c'est vrai. J'allais faire ça à la base avant de lire la lettre. Je vais juste chercher Alcine tant qu'on est là. Alcine! Monsieur Bibi, on a besoin de vous! Ramenez vos bras, s'il vous plaît. Oh, quel homme. Attends. Ah. Ça va bien, Kilou, ça va nickel. Ah, je suis en bonne compagnie, je suis avec vous, je suis avec BG3, on est bien. Il y a un point enflammé à l'ultime lueur. La malédiction l'a plongé dans l'inconscience, mais il ne cesse de marmonner des choses incompréhensibles au sujet d'un garçon du nom de Daniel. Il est? Alors je dois le voir. Ok, on y va. Ok, on y va. Rejoignez-moi dès que vous le pourrez. Ok, ça roule, pas de problème Alcine, on y va. Il est parti direct. Allez, on y va. On y va. Alors, je voudrais... Oui, c'est vrai que je voulais lui jouer de la musique. Oh, regardez, il arrive. Allez, il est arrivé aussi vite que moi. Vas-y, joue. La. Ouais. Non. Bon, ça a pas l'air efficace. Alcine, un mot?
GG Juliette, Midoriko Bella, Star, laissez-nous non spoiler level up, merci pour votre présence. Da 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 da. Climbing up a tree. It's true then. He's met Daniel. There's no other way he'd know. On avance, on avance. On va trouver un premier indice, Michel. Well done. We need to wake him. He must know something about where to find. OK, OK, vas-y, vas-y, je veux bien, je veux bien. Une idée? If he was able to escape the shadow fell, réussir à consommer son esprit. Then he mustn't have managed to consume his spirit. Well, not all of it anyway. We need to unlock whatever's left of him inside his head. There must be something to trigger, a word, a memory, an item. Super. We just need to find it. On va retrouver des trucs à lui, quoi. Ok, il doit y avoir un autre moyen de lever la malédiction. Je vais voir ce que je peux faire. Bah non, on va voir. Hein. You, ouais, ouais. Ouais, je sais, je sais. Ouais, je sais, je sais, je sais. Bon, bah, cassons-nous, hein. Alors, on a plusieurs choses à faire, du coup. Déjà, looter, bordel de merde. Déjà, donnez-moi toutes les popos que je peux avoir gratuitement, là. Tous les trucs que je peux avoir gratuitement. Jair a quelque chose à dire là sur ce qui s'est passé, ouais. A child taken. And still I can only feel relief. Bah, j'avoue que s'ils avaient pris Isobel, ça aurait été la merde absolue. Anecdote, dans ma première run, ils ont pris Isobel. Voilà. Bah, ça tourne pas très bien. vous auriez dû le voir venir, nous avons tous été pris au dépourvu, concentrons-nous plutôt sur notre combat contre Kéthéric. Oui, 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 quelque chose me dit que vous préparez déjà votre revanche. You know me already. But you'll have the honor of making up for my blunder here. I trust that you will. ouais, 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 bah, j'ai une question à vous poser. Ah bon? Then speak. Mais ça m'a déjà entendu votre nom ou donc, comment les ménestrels ont-ils découvert l'existence de l'absolu? Vas-y, vas-y. C'est parce que c'est une star, Jaira. Vous avez déjà donné l'anecdote, mais du coup, c'est un personnage des premiers Baldur's Gate. Oula! Certains prétendent que je tue des dieux, d'autres affirment que le contraire, que je couche avec eux. C'est selon. Je comprends si mon ami Volo a lui aussi une fâcheuse tendance à prendre quelques libertés avec la vérité. Et même les deux à la fois d'après une chanson qui m'a été étonnée d'entendre. Lesquels disent vrai? Vous n'avez pas l'air franchement ravi d'être passé à la prospérité. Allez-y, les Michel. Je vous laisse le choix. Ils sont tous drôles, les dialogues. Je compatis mon ami Volo. C'est vrai que Volo, il change tout le temps la différence. Hein. Les deux à la fois d'après une chanson. A été donné d'entendre. Je suis mort. Lesquels disent vrai? Alors, du coup, vous tuez les dieux ou vous couchez avec? Ah, vous me mettez pas d'accord. Vous êtes pas d'accord. Vous êtes pas d'accord. Ah! Vas-y, vas-y, moi, je veux dire ça. You'll have to sing that one for me when all of this is done. Je crois que vous me la chantiez quand cette histoire sera derrière nous, mais tout ça appartient à une époque révolue. Ah ouais. And for all our victories, we remain on the back foot. T'es une star, Jaira. We fight, we die. Une héroïne. We just hope that when our time comes, incroyable. There is someone else to take our place. Ok, ok. Eh bien, dites-moi, vous avez l'air à la formule, et c'est ainsi que vous galvanisez vos ménestrels. Comme vous y allez, vous n'êtes pas le genre de combattant que l'on remplace aussi facilement. Laissez-moi deviner cet autre, en l'occurrence, c'est moi. Vous n'êtes pas le genre de combattante qu'on remplace facilement. Les songs feraient vous croire que nous avons sauvé les realms entiers. Perhaps we did. Elle est incroyablement badass par contre. Et elle s'est transformée en panthère. Et juste ça, c'est incroyable. Alors, très bien, la suite. La suite, la suite, la suite. Du coup. Eh bien, alors il fallait, je crois, que j'aille avec les ménestrels. Du coup, parce qu'il faut qu'on fasse une embuscade aux cultistes pour savoir, hein, pour en savoir un peu plus et du coup, bah, trouver Haute Lune et tout ça, tout ça. Et YouTube, ce sera pour la prochaine fois. J'espère que l'épisode vous aura plu. Des bisous et à très vite, évidemment.